Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaïa Méditation, spécialiste du voyage astral et praticien en hypnose transpersonnelle, une hypnose spirituelle spécialisée dans l'exploration des vies passées, la régression dans la vie actuelle, le contact avec les défunts et la communication avec la conscience supérieure qui correspondent en fait à la partie la plus évoluée et la plus sage de nous-mêmes. Je vous invite à effectuer cette séance d'auto-hypnose pour faciliter votre pratique du voyage astral. Sachez que vous pourrez également retrouver cette séance dans l'application mobile Gaïa Méditation. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre en pause et veuillez prendre connaissance des instructions dans la description de la vidéo, si ce n'est pas déjà fait. En effet, chaque détail compte pour optimiser vos chances de réussite. Après avoir pris connaissance des instructions, éteignez la lumière et assurez-vous que rien ne viendra perturber cette séance d'auto-hypnose. Maintenant, installez-vous dans une position confortable, suffisamment confortable pour permettre la relaxation, mais pas trop pour ne pas vous plonger dans un sommeil profond. Une fois bien installé, laissez-vous guider tout simplement. Je suis confortablement installé. Je laisse mes paupières se fermer. Très bien. Je porte maintenant mon attention sur ma respiration. J'inspire lentement et profondément. J'expire et relâche les tensions. Je me laisse bercer par le battement binaural et me laisse porter jusqu'aux portes du sommeil, tout en maintenant ma conscience présente et alerte. Nouvelle inspiration lente. Expiration. J'inspire profondément en laissant se diffuser en moi une énergie paisible et réconfortante. Puis j'expire lentement en relâchant la moindre tension présente dans mon corps. Je respire à nouveau normalement. Ma respiration est lente et régulière, calme et paisible. J'affirme mentalement et avec conviction, je lâche prise quant à l'issue de cette séance, car le plus important, et de prendre plaisir lors de l'application des différentes techniques. À mesure que je respire, je ressens la détente s'installer. Mon corps se relâche de plus en plus profondément. Je me connecte au moment présent, un moment de détente
absolu. Mon esprit se libère. J'accueille ce moment de relaxation, le cœur ouvert, et je mets de côté les moindres préoccupations du quotidien. Je reste concentré sur ma voix. À tout moment, si je perçois un bruit dans mon environnement, il ne me dérange absolument pas et il contribue au contraire à amplifier la relaxation de plus en plus profonde. Je commence à appliquer ma première technique, un sourire dans le cœur, tout en prenant plaisir. Je reste simplement focalisé sur le relâchement de mon corps et de mon esprit. Je visualise maintenant un voile de lumière bienveillante qui se dépose sur chaque partie de mon corps, tel un duvet protecteur. Je me sens serein, complètement détendu, et je laisse la paix s'installer. Je prends conscience de chaque zone sur laquelle se pose cette lumière, en commençant par les pieds. Mes orteils se détendent un par un. Mes pieds, mes talons, mes chevilles se détendent à leur tour. Au rythme de ma respiration, je guide maintenant cette lumière apaisante au niveau des mollets, des tibias, des genoux. Elle remonte le long des cuisses, des hanches, des fesses. Je sens maintenant la détente s'installer dans le bas de mon dos. Chaque muscle se relâche et la sensation de détente remonte le long de la colonne vertébrale. Jusqu'à mes omoplates. Elle se diffuse dans ma nuque,
parallèle, je continue bien sûr d'appliquer la technique directe de mon choix. Et j'alterne avec une autre, si je suis sur le point de m'endormir trop rapidement. À présent, je porte mon attention sur l'avant de mon corps. Cette lumière nettoie mes organes internes, qui se relâchent à leur tour. Mon ventre se relâche, et je ressens cette vague de relaxation se diffuser dans ma poitrine. Au niveau du plexus solaire, dans mon cou, dans mes épaules, la sensation de détente chemine maintenant le long de mon bras droit, vers mon avant-bras. Elle passe par le poignet et arrive jusqu'à ma main. Puis c'est au tour de mon bras gauche de se relâcher. La sensation de détente glisse vers l'avant-bras, jusqu'à la main, pour détendre chaque doigt, chaque phalange. Je reste attentif au moindre signe inhabituel. Image, vibration, bourdonnement ou tout autre son. Je porte ensuite mon attention sur ma tête. Mon cuir chevelu se relâche. Mon front se lisse. Je relâche tous les petits muscles autour des yeux. Je relâche mes paupières également. Mes yeux qui se relaxent à leur tour. Je détends mes sourcils et la zone entre les deux sourcils. Mes tempes se lissent. Mes joues et mes pommettes se relaxent à leur tour. Je détends ensuite les ailes du nez, les lèvres et les muscles autour des lèvres. Je relâche mon menton, ma mâchoire et les petits muscles derrière les oreilles.
Je relâche toute la tête, l'arrière de la tête, puis l'intérieur de la tête. Je ressens cette belle énergie dans tout mon être. Cette onde de relaxation circule de la tête aux pieds. Elle remonte et redescend, en passant par la tête, le cou, les épaules, les bras, les mains, la poitrine, le ventre, le dos, les hanches, les jambes et les pieds. Je me sens parfaitement bien, calme, totalement détendu, complètement apaisé. J'aperçois maintenant un escalier. Un escalier qui descend devant moi. Je me dirige vers cet escalier, au bas duquel se trouve un lieu merveilleux, où règne le calme et l'amour, pour me préparer à effectuer un voyage astral. Une sortie hors du corps, en conscience et en toute sérénité. Je compte maintenant à rebours de 5 à 0. Et à chaque chiffre, je descends simplement d'une marche, en toute sécurité. Et je plonge à chaque marche de plus en plus profondément dans cet état de détente et de relaxation. Cinq. Je descends la première marche de plus en plus détendu, profondément relaxé. Je descends une seconde marche, tranquillement, parfaitement détendu et apaisé, en toute sérénité. Et je plonge dans un état de plus en plus profond de relaxation. Trois. Maintenant. Je descends une troisième marche, parfaitement détendu, parfaitement apaisé, et dans un état de plus en plus profond de réceptivité. Deux. Je descends une marche de plus, en toute sécurité. Je respire toujours profondément et je me sens dans un état de détente absolue, de légèreté absolue, parfaitement relâché. Un. Je descends maintenant la dernière marche,
dans un état parfait de relaxation. Je respire toujours d'une respiration lente et profonde. Je sens la joie se diffuser dans tout mon être, parfaitement détendu, en toute sécurité. Je pénètre dans ce lieu magique pour me préparer à ce beau voyage en conscience. Ce lieu, très lumineux, me remplit d'une merveilleuse énergie d'amour et de paix. J'entre dans l'état de phase, un état expansé de conscience, propice aux voyageurs du corps. Je m'adresse maintenant à mon subconscient, qui gère notamment mes automatismes, mes apprentissages et mes mémoires. À partir de maintenant, là où les techniques que je pratique actuellement provoque rapidement et facilement des sorties hors du corps conscientes, en toute sécurité, et elles me maintiennent dans un état de parfaite sérénité, de joie et de confiance absolue. Elles déclenchent rapidement les symptômes d'une sortie hors du corps. Vibrations, bourdonnement, perception de voix et de son externe ou interne, sensation vestibulaire, sensation de chute ou de lévitation, perception d'images ou de symboles, à partir desquels j'amorce facilement et sereinement le voyage hors du corps. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 5 et j'aurai alors 2 options. Si je le souhaite, je peux, par exemple, me réveiller complètement au compte de 5. J'ouvrirai alors les yeux, complètement réveillé, parfaitement régénéré, et de retour dans mon état de conscience naturelle, me sentant merveilleusement bien, comme si je venais de faire une très bonne sieste, comme si je sortais d'une bonne nuit de sommeil, pleinement confiant dans ma capacité à déclencher facilement et rapidement de nouvelles expériences de sortir du corps consciente. Et tout ça en effectuant ces mêmes techniques et dans cette même position. Si je le souhaite, je peux aussi, au compte de 5, choisir de dormir, tout simplement. Dormir profondément. En ancrant encore plus dans mon sommeil l'efficacité des techniques choisies pour déclencher rapidement et facilement de nouvelles sorties du corps consciente en parfaite sécurité.
2. Quatre.